Parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça, cette politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un sacré malaise. Il y a un sacré malaise. Non seulement le malaise national, mais nous, au niveau de la région, là, on le ressent encore. C'est pas trop ce qu'on... Donc on est venu pacifiquement, mais on est venu avec une volonté ferme de vous faire comprendre. On est venu avec la volonté ferme de vous faire comprendre qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, de ne pas nous oublier. Ce que vous pouvez faire, c'est... Oui, il y a un ras-le-bol, il y a... Simplement, on a traduit cette réunion de l'autre jour. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, je l'ai dit à Serge Maria, mais ça a été minable. Ça a été minable. Dans tous les sens du terme, aucun engagement, même pas par rapport à l'équipe de la côtière. Aucun réconfort pour les délégations qui étaient là, c'est-à-dire l'ensemble des délégations de Ponda. Catastrophique, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. On s'échappe, ouais. On pourrit la réunion, quand on pourrit la réunion, en plombant l'ermite, ça a permis, à un moment donné, de ne pas prendre d'engagement. Je trouve que c'est désastreux. Oui, la photo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais ce qui est... Bon, là, ce soir, c'est mon repas de mariage. Je me suis marié il y a 15 jours et je fais le repas de mon mariage. Bon, si vous voulez venir, non, me perturber la soirée. Non, pas du tout. Vous me le dites et. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je crois qu'Archignac. Je suis. Attendez, ce que je regrette, c'est que hier soir, j'étais à 18h30 à Saint-Léon-sur-Vézère. On a inauguré les aménagements du bourg. Il y avait le préfet, la sous-préfet. Là, on n'a pas eu l'information. Vous êtes sur une soirée qui est privée. On se marie qu'une fois. Enfin, deux fois. Non, mais peu importe. Non, mais on ne va pas aller boire le champagne et tout. Une bière au moins, non ? Une bière au moins. On n'a pas du tout envie de boire le champagne. Mais non, mais. On a des familles, on est dans le souci, nous aussi on a envie de faire un peu la java, mais on est un peu la tête. Mais je le comprends. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Et non seulement on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais on voudrait avoir le soutien des élus. Mais le soutien des élus, vous l'avez. Non, c'est pas. On a besoin de votre position. S'il n'y a rien à faire, faut nous le dire. Bon. La situation, elle est comme ça. On peut les uns et les autres faire des projets sur la comète. Hein. Il y a des lois en France. Mais laisse-moi parler. Tranquillement, il n'y a aucune volonté politique. Vous n'avez aucune volonté politique. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas dire ça. Non, mais ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Vous ne l'avez pas voté. Vous refusez de le voter pour l'utilisation de l'argent. On va le voter là. Arrête. On discute d'une loi sur le. C'est Fauvel qui se félicite de pouvoir licencier comme il veut. Merde, aujourd'hui, c'est les salariés qui devraient être contents du gouvernement. Et pas Fauvel, il y en a marre. Il y en a marre, il faut rester au boulot jusqu'à 65 ans parce qu'on a des retraites de misère. Non, mais attendez, ne mélangez pas. Mais si, ça fait partie du gouvernement. Avec l'affaire de l'ECTA. L'affaire de l'ECTA, elle est simple. Elle est simple, c'est l'emploi. Et la vérité, elle est cruelle. Mais la vérité, c'est qu'on a très peu de moyens d'action sur l'entreprise. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. On n'est pas dans une entreprise. Vous n'avez pas l'État en face, on n'est pas actionnaire de l'État. C'est une entreprise privée qui a sa stratégie industrielle. Vous avez le pouvoir de légiférer. Voilà, tout à fait. Légiférer, comme ça a été. Vous avez tous les leviers. Légiférer. Mais tu crois que par la loi, on crée des emplois ? Mais par la loi, on crée des emplois. Par la loi, on crée des emplois. Les licenciements boursiers. On l'a vu, on l'a constaté, on va voir ce que représente l'ANI, notamment, et d'autres trucs. Là, vous continuez à faire des cadeaux au patron, et sur ceux qui vous ont élus. Sur ceux qui vous ont fait confiance, sur ceux qui créent les richesses, sur ceux qui souffrent, ceux-là, vous leur cassez la gueule tous les jours. C'est pas vrai. Et vous avez je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais vous avez intérêt. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais vous êtes dans un autre monde, c'est... les gars. Non, vous êtes dans c'est un pas autre des cadeaux monde. Au patron qu'on fait. Si. Mais jusqu'à... Mais non, mais attendez, les gars.
et les retraites au mois. Mais qui crée l'emploi? Les retraites à l'automne, là. Mais qui crée les conditions pour réunir qui crée l'emploi dans notre pays? Qui c'est qui crée les conditions? On ne peut pas tous être fonctionnaires, les gars. On a essayé. Alors pourquoi on va voter? Pourquoi on a voté il y a un an de ça? Pourquoi on a voté? Pour être défendu. C'est pas les patrons. On a voté pourquoi? Parce qu'il y avait un espoir. Il y a un désespoir, tu le sais. Je le sais bien. Mais alors, quelle réponse la politique a à faire aux pas petits? Quelle est la réponse à l'emploi en général? Parce qu'on vous a fait confiance. Vous nous avez demandé. Mais on n'a pas de... On vous les a donnés. Ah bah alors sur quel, sur quoi vous apportez quelque... Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour les salariés? On n'a pas. Il n'y a pas d'argent pour les salariés. Tous les jours, on entend les affaires. Il y a des millions qui se trament, qui se magouillent et tout le machin. Il n'y a pas d'argent pour nous. Ça fait un an qu'il a fait une maison où il est papa. Comment voulez-vous que nous, parents, on puisse accepter ces situations? Dites-moi, vous, moi j'attends des propositions pour tous ces gars qui se battent. C'est un combat noble de se battre pour leur route. C'est pas le budget, c'est voilà, oui. Les escargots, maintenant. Vous pouvez rien. On ne peut rien, écoutez-moi bien, on ne peut rien sur la stratégie industrielle de l'hectare. C'est ça la vérité. Et c'est pareil dans toutes les entreprises. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'amortir le choc, c'est d'essayer de négocier avec eux, parce qu'ils auront besoin d'investissement. Comment on peut les donner? Non, les investissements, c'est dans le papier qui se font, c'est pas dans l'énergie ou quoi que ce soit. Les investissements, c'est 9 millions d'euros. Vous allez leur... Non, on ne va rien leur donner pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Quelle contrepartie va y avoir? Vous leur avez laissé espérer qu'il n'y aurait aucune contrepartie quand on les a rencontrés. Mais Guy, et je vous garantis, on l'a rappelé l'autre jour, l'ECTA continue à faire ce qu'il veut, et tant qu'il n'y aura pas des pressions et des contreparties mais par rapport à l'argent public, Guy, mais les pressions, c'est quoi les pressions? Les pressions, c'est quoi? On peut tous aller se coucher sur la route devant l'ECTA. Au bout d'un moment, on sera viré, on sera viré par les flics et ça ne changera rien. L'ECTA, ils sont assez intelligents pour respecter les procédures, c'est tout. Tu le sais parfaitement, le préfet te l'a dit il y a un mois. Il a dit, monsieur Retou, il y a une solution, saisir la justice. Allez-y, saisissez-la. Pendant ce temps, nous, on continue à faire les trucs. Mais c'est pas ça, c'est parce que tu sais très bien que la justice va nous dire, il respecte le PSE et on est obligé de faire comme ça. Jean Minal, il y avait un point quand même sur une étude papetière. Voilà. Cazot s'est engagé lors de la rencontre au Conseil général. Oui, Cazot s'est engagé à financer cette étude papetière avec tout en partie avec le conseiller régional. Mais, l'autre jour à la préfecture, c'est même pas venu sur la table. Ça a été évacué. Parce que quand même, l'étude papetière, c'est le devenir de quoi? Ça, c'est les projets industriels. C'est le devenir de quoi? Parce que si on développe, Jean Minal, en le finançant, là, vous soutenez le projet industriel. Mais moi, je suis d'accord. Cazot est toujours d'accord pour qu'on mette 106 000 euros sur l'étude papetière. Non, on est toujours d'accord. Écoute, alors, ni Serge, ni toi, et ni Cazot. Oui, mais attends. Ça, c'est du projet industriel. Ça tient la route. Je vous signale quand même qu'il y a quand même un syndicat qui a dit que l'étude papetière ne servirait à rien. Non, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais en disant l'étude papetière, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait en même temps une étude de marché. Voilà. Et ça, vous êtes d'accord? Alors, on est d'accord. Une étude technique pour dire qu'on est capable de produire ça, mais si derrière tu n'as pas les marchés pour le vendre. Tu as remarqué, Fabregue, il n'est pas allé au bout de sa démarche, c'est-à-dire que ça a été interprété d'une façon restrictive. Fabregue, il aurait dû, il n'a pas fait, mais bon, c'est de son ressort, c'est pour ça qu'il soit en Irlandais au niveau de la délégation de CGC. Mais il aurait dû dire, si on fait cet effet, si ça reste là, sauf qu'il faut d'abord faire une étude. S'il n'y a pas le marketing, mais ça va de pair. Sauf que, et c'est vrai encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas de problème industriel pour Conda. Et Conda va crever si on reste dans cette situation. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas 150 ou 149 postes, c'est 660 postes aujourd'hui qui sont menacés à Conda. Je ne sais pas si on prend la mesure. Et moi, quand j'ai dit hier matin, et je le redis ce soir, il y a une réunion, ça a été affligeant, ça a été catastrophique. Moi, j'ai de la peine pour les élus concernés. Ne dis rien de toute une réunion, comme vous l'avez fait. Je trouve que c'est gravissime, surtout que vous êtes élus dans la circonscription, dans le canton. Je trouve que c'est pas possible qu'on puisse rien dire, c'est pas possible qu'on puisse passer amener au minimum le soutien. On ne demande pas, nous on a toujours dit que vous étiez les facilitateurs pour les choses. Non, mais on ne vous a pas demandé de régler les choses. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait quand on croit à la direction? Vous croyez qu'on leur dit amen, c'est très bien ce que vous faites, bravo, allez-y, continuez? Vous croyez que c'est ça qu'on leur dit? Non, c'est pas ça qu'on leur dit. Je souhaite qu'on discute un jour, notamment du fret et des interventions que vous avez faites dans la presse avec Serge et avec le directeur des services du Conseil général.
c'est catastrophique par rapport au service public, mais ça on en redébattra si tu veux. Parce que vous avez des comportements, ça a été assez lamentable. Non, si, je ne suis pas d'accord. Mais on en discutera quand vous voudrez, mais sur l'histoire du fret, moi j'ai fait je ne sais pas combien d'interventions. La vérité, c'est qu'à un moment donné, on est incapable d'avoir du fret ferroviaire qui est moins cher que le routier. C'est ça le problème. Moins cher, c'est quoi? Moins cher, c'est que l'entreprise, elle cherche le moins cher. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu en comité d'entreprise européen ou en comité d'entreprise? Et vous le savez, c'est que le rail coûterait 3 euros de plus. Que la route, sauf que quelle est l'étude, jamais ils ont voulu me donner les éléments. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, face à de l'argent public, n'a dit à l'ECTA et à la SNCF, on se met autour de la table, on discute. Pour avoir au moins les chiffres. Mais c'est même pas le minimum, on n'a même pas droit au minimum. Voilà, tu vois, donc, ça on peut le faire. Pour revenir à l'étude papetière, moi je suis toujours d'accord pour que l'étude papetière. Mais je vous signale. C'est le moment là. Mais je vous signale. Vous allez encore venir nous reprocher de donner du fric au patron. Parce que normalement, c'est l'usine qui devrait la faire, l'étude papetière. Et nous, quand on leur dit, mais je vais vous dire ce qu'ils nous ont dit. Il fallait faire pression sur l'ECTA pour qu'ils financent au moins tout ou partie de l'étude, parce que ce ne serait pas juste que ce soit l'argent. Voilà, c'est ça. Si après il y avait défection, il fallait voir. Attention, Jean-Luc. Mais t'inquiète pas, là, je suis écrasé. Ça avait la voiture. Quand ça a été remis en cause, ils ont dit passer en faisant une étude sur 3 jours, la machine arrêtée, etc., uniquement sur la M6. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Vous n'avez peut-être pas l'information, mais je te la donne, je devrais dire là, mais je pense que vous l'avez. C'est que ils se sont acharnés à ce que la direction, à ce que la manique de prix, du CTP soit démontré. C'est-à-dire que le CTP n'a pas été expliqué la salle, ils nous ont dit, là c'est pas possible, là il y a cela, mais eux, c'est trop cher. Non mais on eux, a fait, je vais te dire, c'est eux, catastrophique. Quand on les a rencontrés à Paris avec Cazot, on a parlé de l'étude, ils nous ont dit, mais attendez, vous croyez que nous, si on avait la possibilité de développer quelque chose qui fonctionne, on ne le ferait pas? Ils nous disent. Guy, tu as répété 10 fois que c'est. Attends, écoute-moi bien. Tu as répété 10 fois que c'était des fonds de pension. Je regrette, ce n'est pas des fonds de pension. C'est un fonds d'investissement. C'est pas du... Non, mais c'est pas pareil. Non, mais ils sont là pour faire du fric, je suis d'accord avec toi. Mais ils sont là pour faire du fric au moment où ils revendent l'usine. Et donc leur intérêt à eux, c'est pas de faire du fric tous les trimestres. Leur intérêt à eux, c'est de revendre l'usine au bout de 10 ans et de gagner des ronds. Et si revendre l'usine, et que l'usine... Mais je suis à vos côtés, les gars, mais arrête. Mais fais-nous sentir. Mais arrête. Bonjour. Je te félicite et quel accueil. Non, franchement. Bon, allez. Vous respectez rien, mais c'est incroyable. On va être au chômage. On discute tranquillement. Ben oui, tranquillement, elle arrive et laisse pas arriver dans la mare là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si, non. De toute façon, on va pas rester là longtemps. Concrètement, ta position, c'est quoi? Mais ma position aujourd'hui, c'est qu'on est pieds et poings liés parce qu'ils respectent les procédures. Je vous le répète encore une fois. Ils respectent les procédures. Avant que les salariés aient décidé, on l'a dit,
ils avaient déjà mis en place, ils avaient déjà réuni les salariés qui étaient susceptibles de partir à la retraite, ils ont déjà mis des gens en formation avant que le CE ne se soit prononcé. Non mais Guy, alors, ça tu peux... Non mais attends, moi je m'excuse. Non mais ça, non, Guy, ça tu peux pas le reprocher. Toi tu as été sur une position que je respecte, tu as dit il faut le moratoire, il faut l'étude et le moratoire et on verra dans 6 mois ou dans 1 an. Bon, mais cette position, tu l'as tenue autant que tu l'as tenue, mais tu peux la tenir encore. Mais tu vois bien aujourd'hui que légalement, eh bien, ils ont fait avancer la procédure. La légalité, voilà la ligne. C'est quand les gens on peut toujours dire moratoire. Le préfet te l'a dit il y a un mois, il te l'a redit il y a 2 jours. Je lui ai écrit, je peux même t'envoyer la copie. Je lui ai écrit il y a 10 jours en lui disant quelle est la procédure. Comment on peut faire pour obtenir le moratoire? Je vais te l'envoyer, Guy. Je voulais pas vous l'envoyer pour ne pas vous donner sur le feu. Mais il me répète la procédure. Et il me dit, il respecte la procédure. Monsieur, c'est des gens qui ont des choses. On peut déplorer, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'allais m'attacher au grille de condamnation. Qu'est-ce que ça va changer? Je me ferai virer au bout d'un moment. Vous êtes le représentant du président de la République, M. François Hollande, qu'on a élu. Je me rappelle d'une seule phrase qu'il a dit au Bourget. Mon ennemi, c'est la file. Alors prouvez-nous-le que c'est votre ennemi. Faites les lois, faites les lois. Vous avez tous les leviers, faites les lois. Regardez le programme de l'Assemblée nationale, c'est lundi, ce lundi-là. Je viens d'écouter France Info. Écoutez France Info, c'est ce lundi qu'on traite un texte sur la finance. Lundi, là. Votre ennemi, c'est pas les ouvriers. Mais je le sais que c'est pas les ouvriers. Mon père était ouvrier. Eh bien, alors, la moitié de ma famille est ouvrier. Faites des actes concrets. Ils en veulent le plus d'ouvriers. On est en train de crever. Le pays, on est en train de crever. Il n'y a pas d'usine. J'ai dit non, mais il y a le député. On me fait content. Non, mais pas un coup de fil. Bon, allez, c'est tout. Maintenant, je lui souhaite un bon repas de mariage. Non, je m'écarte. Tu t'es jamais rappelé? Non, mais je réponds à ma question. Tu t'es jamais rappelé? Ça tourne. Est-ce que je t'ai jamais rappelé? Au début du PSE, tu m'as rappelé. Dis pas ce qui n'est pas. Chaque fois que j'ai pu, je t'ai rappelé. Chaque fois que j'ai écrit, chaque fois que j'ai fait, les élus du personnel. Non, c'est des copains. Ah bon? C'est pas concevable, et vous le savez. Donc, on n'a jamais fermé la porte à qui? Tes collègues l'autre jour. Ton fameux Vilsus. Il est lamentable, ce garçon. Il a mis de l'huile sur le feu. Il n'emportera pas au paradis, lui aussi. Parce que venir donner des leçons à des mecs qui se battent depuis le 19 mars, arriver et après dire devant la presse que le conseil régional, compte tenu de l'avancée du PSO, ne peut pas grand-chose, je trouve que c'est lamentable parce que c'est bien le fait du conseil régional. Il y a des trucs comme ça. Qui se sépare. C'est pas grave, gars. Se passe, t'as les gens qui sont sur les. Il y a des mecs qui sont venus dans les délégations. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Mais si c'est comme ça qu'on fait de la politique, moi je regrette, mais on va aller dans le mur. Aujourd'hui, on va aller dans le mur. Et si on ne prend pas. La vérité, c'est que quand une boîte ferme, on est dénué. Non, mais si vous ne prenez pas le virage, s'il n'y a pas des lois qui sont créées. Ça va être trop tard pour nous. Aujourd'hui, il n'y a rien que pour les patrons. Mais on ne peut pas se faire accuser comme je l'entends à la radio. Parce que dans ce département, on ne fait rien pour l'industrie, Et en même temps, chaque fois qu'il y a une mesure qui est faite. Qu'est-ce que c'est la mesure qu'on a prise? C'est une baisse, non pas des charges sociales, mais c'est une baisse des salaires et des charges sociales de 4% cette année et de 6% l'an prochain. Si on prend une augmentation d'achat aujourd'hui, le pouvoir d'achat des salariés à ras les pâquerettes, plus ça va, plus on perd. Non, mais pas mais que je vais te rappeler quand même, à Condat, on a eu des salaires bloqués. Mais derrière, on s'est chopé du chômage partiel. C'est le fait. Derrière, on n'a pas d'autre. Il y a des échéances sur les salariés. Mais quand le pouvoir d'achat, je sais, les patrons, Il y a des gens du monde qui veulent payer leur baraque. Ça va aller. Ils ne mangent plus. Ils vont se rebeller. On a mis loin.
c'est trahison. Voilà, il a dit exactement. C'est trahison, on le voit bien. Vous ne vous rendez pas compte, c'est trahison. On est tout le temps. C'est pas réaliste. On va casser. Non, on ne serait pas là. Si on s'en sentait, on ne serait pas là. Je pense qu'il y a un risque. Il serait content. Même s'il démissionne, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on est mort. Donc, partant de nous, effectivement. Je ne sais pas moi-même. Je ne suis pas moi-même. Mais aujourd'hui, pas grand chose. Je crois que tu étais de revenir sur une entreprise à faire. Sauf si elle est, sauf si la taille est actionnaire. Il y a eu quand même une belle parole. Va dire à la SOCAT que c'est les élus qui vont maintenir les emplois. Pas un mot, on ne dit rien. On dit rien. Mais on ne fait que ça d'intervenir dans des programmes sur des entreprises. On ne fait que ça. Pas un mot, on ne dit rien. Les fonds publics passent Soit je vous dis qu'on a encore des choses à négocier. Parce qu'aujourd'hui, on a bien 60 000 C'est pas pour le plaisir. Il y a encore à négocier. Écoutez-moi, le jour où Cazo a dit ça, il s'est fait engueuler en disant c'est pas lui négocier avec ça. On n'a pas négocié avec eux. Nous, moi j'y étais quand on les a rencontrés. On leur a dit votre plan il n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter ça. Voilà ce qu'on leur a dit. Et après, il faut les amener vers la baisse. Et après, il faut essayer de trouver des solutions pour les gars qui sont sur le carreau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Moi, c'est pas le conseil général qui va remettre en route une terminale. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 154 emplois de moins qu'on a. Ceux-là, ils sont rayés. Aujourd'hui, c'est rayé, c'est fini. On ne va pas les rattraper. Et derrière ces 154 emplois, tu peux en rajouter 450. Tout ce qui gravite autour, va morfler. Et la prochaine étape, c'est la prochaine. Et on le voit en plan d'Ordogne, on va encore morfler. Mais tu as tout un tas de secteurs où c'est comme ça. Regarde ce que je cultive à côté. Là. Oui, non, mais... En 10 ans, on a perdu 26% des agriculteurs. Oui, mais je suis d'accord. 26%. Non, mais je suis d'accord. Mais plus d'un quart. Mais l'Europe, on fait rien. Est-ce qu'on va changer de cap? Ça se poser des questions, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. C'est tout. Changer de cap, c'est réindustrialiser le pays et être capable de regagner les marchés. Aujourd'hui, on n'est pas parti dans ce sens. Les obliger à faire partir des gens plus tard. Ça doit pouvoir se négocier. Ça doit pouvoir se négocier. C'est-à-dire permettre à des retraitables. Qui est-ce qui va intervenir là, Germinal? Parce que nous, les réunions de comité d'entreprise sont terminées. Quand on a tiré la sonnette d'alarme, qu'on était au bout. Il y a le préfet encore. Qu'on était au bout de la démarche. Il y a encore le préfet. On en a encore parlé à Saint-Léon. Il y a encore le préfet qui peut agir parce qu'ils ont légalement ils ont encore des choses à respecter. Il peut encore agir. Ensuite, on a un autre point, c'est les investissements. Parce que si vraiment le gouvernement a agi, il y avait la cogénération. Ouais, mais
On y va maintenant. Les investissements, c'est pour mettre ce principe en place. On a voté un truc à 15 jours sur la cogénération qui va permettre de continuer pendant 2 ans. Et après, sur l'histoire de la biomasse, là, ils auront le même. C'est sûr. Mais c'est à mettre dans la balance, c'est ça. C'est à mettre dans la balance. Ces investissements, oui, c'est sûr, c'est à mettre dans la balance. Mais ces investissements, mis à part, ça va leur apporter plus de fric à eux. Oui, mais tu en reviens toujours au même truc. Mais quand les mecs te disent, on a l'énergie 35% moins chère en Espagne, soit on fait rien, soit on dit, on essaie de vous la faire. C'est terminal. La légalité aussi, c'est de bloquer la boîte, et on va en parler la semaine prochaine avec les compagnies. Ça aussi, c'est la légalité. Parce que s'il faut bloquer la boîte, non, me dites pas ça comme ça. Si, mais pour vous, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. On n'a plus de moyens. On va pas vous souhaiter de vous marier. Au chômage, d'abord. On s'en va. Bonne soirée. Bonne soirée. Et alors, mais ça vous fait rire? Allez. Ils ont annexe, ils se calment. C'est pas la peine de mettre sur le pont. Alors, on refuse de chaque côté. Allez. Bon dîner. Ça sert à rien. Le petit blanc bec là avec son truc, il me dit vous avez des enfants, oui. Au chômage, il me dit moi aussi je suis au chômage. Là et l'autre pétasse là. Et ce pétasse là.